shots ring. Shadows calling. Let the gunshots ring. Fought the devil. Let the gunshots ring. Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Hunt Showdown sur PlayStation 4. Édité et développé par Crytek, sorti officiel le 18 février 2020 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Moyenne de 16 sur 20 sur Metacritic, sachant que le jeu est déjà sorti il y a un bon moment, le 27 août 2019 pour être précis, sur PC, qui n'a ensuite pas trop tardé vers la fin d'année 2019 sur Xbox One. Et là, il sort sur PS4. Pourquoi j'ai décidé du coup de le tester sur PS4? Eh bien tout simplement déjà parce que mon Alienware n'est pas dans les meilleures optimisations pour vous proposer du gameplay capture avec de bons graphes PC. Mon HDPVR n'est compatible que avec la console de Sony, donc la Xbox One X, on peut tirer un trait là-dessus. Et d'ailleurs, la PS4 offre quelque chose de plus avantageux pour ceux qui veulent se le prendre sur console. Pour information, quand le jeu est sorti sur Xbox One, ma télé s'est automatiquement mise en mode 720p pour pouvoir lire le jeu. C'est pour dire à quel point il était très mal optimisé sur sa première sortie console, à savoir sur la console de Microsoft. Sur PS4, on n'est pas sur le jeu de l'année, je préfère vous le dire directement, mais le jeu est un petit peu mieux optimisé, graphiquement, c'est pas oufissime. Le cadre environnant est un petit peu plus beau que le gameplay propre, ce qu'il y a sous notre nez, ce que l'on peut vraiment observer directement, c'est moins bien foutu. Mais bref, vous le verrez de vous-même dans un gameplay juste après la présentation du menu. Donc vous avez forcément votre personnage avec un niveau 1 jusqu'à 50. A savoir que quand vous allez dépasser une certaine tranche de niveau, vous tombez sur un jeu dit Die and Lose All. C'est-à-dire, si vous mourrez, vous perdez non seulement votre personnage et tout le stuff qu'il avait. Par stuff, j'entends votre arme principale, votre arme secondaire et tous les petits accessoires, outils et consommables que vous lui avez donnés. Vous devrez ensuite du coup recruter un nouveau chasseur qui a des patterns différents avec des habilités et un stuff qui lui est prédéfini pour pouvoir recommencer le jeu. Le magasin est disponible, montez de niveau pour débloquer ce que vous voulez, que ce soit des fusils à verrou, des pistolets, des fusils à pompe, des cocktails Molotov et j'en passe. Mais vous êtes en train peut-être de vous dire, mais X-Rouge, qu'est-ce que Hunt Showdown? Anciennement d'ailleurs nommé Hunt Horror of the Golden Age, lorsqu'il a été présenté à l'E3 2015, il me semble, ça commence déjà à dater, 2015-2016. Eh bien, en fait, nous sommes sur un jeu moitié PvE-PvP. Vous êtes sur une map jouable en solo queue, vous pouvez partir dans faire la queue pour être mis avec un mate, jouable à 2 ou à 3, c'est du duo ou du trio, et la map est divisée en une sorte de puzzle. Vous allez devoir chercher des indices aux quatre coins de la map pour la faire rétrécir. Vous êtes avec d'autres joueurs qui aussi cherchent des indices, c'est à ce moment-là que le PvE est important. Vous êtes dans une sorte de bayou avec des zombies qui peuvent vous attaquer, et il est préférable de vous unir pour faire face à l'ennemi. Une fois que la map est rétrécie, vous devrez affronter un boss, et c'est là que vous devez faire équipe avec les autres personnes, car dans les contrats les plus difficiles du jeu, un duo ou un trio n'est clairement pas capable d'affronter un boss à eux seuls. D'où le fait d'accentuer encore une fois le point PVE du jeu. Une fois que le boss est détruit, là, il y a un bounty, il y a une prime à récupérer, mais il n'y a qu'une seule prime pour une seule équipe. C'est là que le PVP rentre en jeu. À vous de tous vous éclater et de revenir à votre respawn en vie. Voilà, je pense avoir brièvement dit en quoi consistait le jeu.
je ne vais pas m'attarder davantage, je lance un gameplay et je vous dis à de suite. Alors, bon, j'ai pingé en solo queue, donc du coup je me retrouve avec quelqu'un que je ne connais absolument pas. Donc le but, bien entendu, est de ne pas faire de bruit pour pas que les ordinateurs et surtout les joueurs adverses vous... Tousse-moi à la gueule, je te dirai rien. Ne vous repère, tout simplement. Le couteau, toujours primordial. Ça vous permet d'économiser les balles, qui se font très rares, parce que les caisses de munitions, il n'y en a pas partout, quoi. Les chevaux aussi, malheureusement. Ouais, voilà. Il l'a buté, les chevaux, ça crie, mais bon, voilà. On abrège leur souffrance, malheureusement. Pas un très beau geste. Dude, you're Mike. Non, j'ai pas de micro, mec. Putain, mais... Bon, je vais voir s'il me reparle d'ici là, mais... S'il me reparle, je le muterai. Parce que vraiment, comme je vous ai dit, le jeu est pas très ouf au niveau de la texture, au niveau des graphes, mais pour l'ambiance sonore, le jeu vaut clairement le détour. Oh, il y a une meuf ruche quelque part. Elle est là. Aïe aïe aïe. Voilà qui est fait. Donc voilà, quand vous avez un problème avec un ennemi qui vous envoie son pouvoir, ben, il suffit de tuer l'ennemi qui jette le pouvoir. Désolé Dada, mais tu fais trop de bruit malheureusement. Alors le premier indice est par là. Il va falloir trouver plusieurs indices pour faire rétrécir la map, comme je vous ai dit, et trouver le boss. Oh! Attendez. Oh, c'est ouf ce qui vient de se passer. Pas d'indices à trouver, mesdames et messieurs, on est directement dans l'antre du boss. On a une chatte immense. Bon, le tir allié étant activé, faites gaffe quand vous jetez des molotovs ou quand vous tirez. Tout est... Tout peut toucher votre allié, et vous touchez vous-même d'ailleurs avec le retour de flamme. A savoir que cette putain d'araignée est très 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 rapide. Parfait, elle l'a bouffé. Quand on est empoisonné, en plus, on peut même pas se healer. Aïe! Oh, mais elle me focus, t'es sérieux? Oh, elle m'a buté, quoi! Oh, quelle horreur! Oh, c'est bon, il me réanime. Oh, bon, au moins, vous pouvez voir une revive, voilà. Oui, les ennemis peuvent vous donner ou des coups fatals, qui... Ben, vous pouvez pas vous relever, tout simplement. Ou parfois des coups qui nécessitent un revive. Et par chance pour moi, ben, je suis pas mort. Ça fait deux fois que j'ai essayé de tirer. J'avais pas reloadé. Pensez à faire carré à chaque fois que vous tirez avec ces armes, parce que sinon, ben, vous tirez à blanc, en fait. Mais elle envoie du poison trop loin, en plus. Mais quelle horreur, quoi. Allez, putain, le cooldown de poison, il est si long. Allez, on est reparti. Dès que vous voyez du mouvement, n'hésitez pas, hein. Franchement, faut flinguer. Ça, la vie du boss est en haut à gauche, c'est le losange rouge qui se diminue, là, qui est un petit peu moins de la moitié. Quasiment le quart maintenant. Ouais, l'arme que j'ai, comme elle fait 200 de dégâts, c'est le plus haut dégât qu'on peut faire dans le jeu. Donc quand je suis près d'un ennemi... Aïe aïe aïe, je suis tout seul. Quand je suis près d'un ennemi, je le one-shot, mais le boss, c'est une autre affaire. Oh putain, je peux pas le raise. Il lui a mis un coup fatal. Bon, mais je suis seul pour le restant de la game, les gens.
Oh là là, je suis tellement dans la merde. Oh, qu'est-ce que je subis pendant cette session? J'ai plus que 2 balles. Oh là 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 là. Ça y est. Bon, elle est morte. Maintenant, il faut enclencher le rituel. Le rituel, en fait, vous allez devoir attendre ici que son corps se dégrade, pourrisse, en fait. Pour... Mais, dégage, je voulais pas la lanterne. Je voulais me soigner. J'avais oublié que quand on tue un boss, on a à nouveau la vie au max. Faut attendre du coup que son corps pourrisse pour récupérer à l'intérieur le bounty, justement. Mais en attendant, vous l'aurez bien compris, le pourcentage est en haut à gauche. Et tout le monde sait que l'araignée est morte maintenant, et tout le monde connaît sa position. Donc, je vais devoir tenir le point. Moi tout seul. Oh, quelle horreur, quoi. Parfois, il y a des pièges à ours. Ça peut aider pour baliser les portes. Mais là, je n'ai rien qui peut m'aider. Ouais, je vois des massues partout, mais si je la récupère, je perds mon fusil. Le fusil est trop lourd pour mon personnage, et si je prends un truc trop lourd, lourd plus lourd égale on annule tout, quoi. Aïe, aïe, aïe. À savoir que vous prenez plus d'une dizaine de niveaux pour votre personnage, le niveau max est 50, vous prenez plus d'une dizaine pour votre personnage. Dès qu'il atteint le niveau 25, vous avez la possibilité d'envoyer votre personnage à la retraite. La retraite, en fait, ça convertit votre personnage en point d'expérience pour votre niveau de compte, et le niveau de compte est important, parce que c'est votre niveau de compte qui vous permet d'acheter de meilleures armes. Donc dès qu'il sera 25, mon perso, hop, je le fais se barrer. Pour chaque niveau, c'est 100 d'XP, donc 2005, c'est pas à négliger. Éventuellement, parce que dès qu'il est niveau 25, on passe en loose-all. Donc vous perdez absolument tout si vous crevez. Mieux vaut l'envoyer à la retraite. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Il y a du monde. Moins un. Moins un, moins un. Oh. Je l'ai touché. Oh, il est mort. 2 versus 1. 2 versus 1 par le joueur français. Parfait, là. Magnifique. Oh là 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 là, cette game. Oh là là, c'est fou. Vous avez vu un boss sans qu'il y ait de preuves à trouver, sans qu'il y ait d'indices, un 2 versus 1. Bon, mais après, si je récupère le bounty, c'est là que ça peut se corser. Vous êtes en train de vous dire que peut-être c'est le moment le plus dur du jeu, là, actuellement. Mais pas du tout, pas du tout. Tenir le point encore, ça va, on n'a plus qu'à camper. Non. Voilà, on a qu'à camper, qu'à tenir un point. Mais le plus dur après, vous allez voir. Bon, ça y est, on dépasse les 90%. Bon, voilà, je vous le répète, graphiquement, c'est pas le jeu de l'année, mais au niveau sonore, c'est incroyable. Tous ces sons, c'est strident. Allez, le bounty a été ramassé et... Oh, en haut à droite, faut que j'aille en haut à droite. Parce que si je vais en bas, il y a encore l'autre boss qui n'a pas été négocié, du coup je vais devoir traverser toute une zone qui pourrait... Ouais, qui pourrait avoir plein de joueurs, donc j'ai pas envie de les affronter, donc je vais en haut à droite. Maintenant que j'ai le bounty, n'importe qui sur la map, avec la vision de l'ombre, peut me repérer en temps réel. Donc c'est à moi de me bouger le cul, tout simplement. Donc le plus dur, c'est non seulement d'y arriver, mais quand les gens ont compris là où vous voulez vous enfuir, parce qu'il n'y a que certains points pour vous échapper de la zone. Et s'ils l'ont compris avant vous, ben ils vous y attendent. Vous butez, récupère le bounty et fuyez à l'endroit où vous vouliez partir. Donc je suis peut-être pas au bout de mes surprises.
l'autre prime de l'araignée a été récupérée par un autre joueur. Donc ça veut dire qu'il y a du monde derrière moi là. J'ai bien fait de partir rapidement. Et encore, à part une meuf abeille, j'ai pas rencontré de gros monstres. J'espère que je vais pas en croiser. Et vous l'aurez pas, hein. Le PVE peut être aussi mortel que les phases PVP dans le jeu, clairement. Je suis à la fois si proche et si loin. J'entends des tirs, mais ça vient de derrière moi, donc... Les tirs sont assez lointains, donc ça me rassure un peu. J'ai juste peur qu'une team m'attende, en fait, à l'arrivée. Oh, putain d'éclipse. Allez, c'est pas comme si tout le monde entendait mes tirs. Oh, mais prends tes balles. Oh. Quand même. Qu'est-ce que c'est long de reloader. Il y a un géant à droite. Oh là là, l'incendiaire. Allez, dégage. Oh, non, j'ai pris son explosion, il est pas mort. Putain. Donc non seulement il est derrière moi, j'ai des cendres à éteindre, parce que sinon je vais perdre ma vie continuellement. Et en plus, ça fait un boucan pas possible. Ah, il était bien derrière. Et puis il sprint, il vous rattrapera lui. J'ai raté. Bordel, mais crève. Vous voyez, je suis vraiment pas sûr d'arriver au point final, hein, clairement. Donc là, vous voyez, une partie de ma vie est brûlée. Donc elle, je la récupérerai pas. Alors que le reste, ça peut se régénérer avec le temps. Allez, on se rapproche. Si c'est sur une surface terrestre, c'est une carriole qui vous attend. Si c'est proche de l'eau, c'est un bateau. Mais il y a encore une petite subtilité. C'est qu'une fois arrivé à l'endroit, vous devez attendre 30 secondes avant de vous enfuir. Et ces 30 secondes sont les 30 secondes les plus longues de votre vie, croyez-moi. Les chiens ne devraient pas me suivre. Quand on traverse l'eau, généralement, ils suivent pas. Je suis obligé de me mettre du soin quand mes petites barres de vie sont séparées. Ça veut dire que je peux pas récupérer de régène au-delà d'une barre rouge remplie. S'il y avait encore un cinquième de petits fonds rouges, tout le reste serait récupéré. Mais là, c'était vide, donc je suis obligé. Et c'est assez astucieux. Trouvez-vous des personnages qui ont plusieurs barres de vie, et notamment une petite, tout à droite. Car comme vous êtes susceptible de souvent perdre une barre de vie durant la game, mieux vaut perdre une petite qu'une grande. Allez, il y a l'air d'y avoir personne. Juste des zombies, mais bon. Je vais pas faire de bruit. Et plus les secondes vont défiler, plus ça va être strident. Là, pour vous dire, là, ce stade du jeu, j'entends même pas s'il y a des pas qui viennent. Yes! Eh bien, top 1. Enfin, top 1. Est-ce qu'on peut vraiment parler de top 1 dans ce genre de jeu? Non, c'est un bounty qui a été ramené, tant mieux.
Et dites-vous qu'il y a des gens qui se chauffent grave. Ils font carrément les deux monstres pour récupérer les deux bounties et s'enfuir pour avoir encore plus de récompenses. Mais bon, moi je suis trop un lâche. Dès que je suis le premier, je me casse. Enfin bon, je vais prendre une bonne dizaine de niveaux. Et après, c'est à vous de monter votre niveau pour prendre ce que vous voulez. Si vous préférez les fusils à verrou, les fusils coup par coup, les fusils à pompe, les pistolets, être expert en armes de jet comme la dynamite, le molotov. À vous de choisir le combo d'armes que vous souhaitez pour vous différencier de votre binôme ou de votre trio. Et voilà, marquer le jeu de votre savoir-faire pour tirer votre épingle durant les gunfights. Et ça, c'est crucial, clairement. Enfin, voilà. Je vais donc vous laisser sur cet arrière-plan d'update de mon personnage, en espérant du coup que le principe de ce jeu vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !